Un samedi pas comme les autres à Saint-Fargeau en région parisienne. Aujourd'hui, Séverine a de la visite. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Et toi ? En compagnie de quelques amis, elle va assister à une réunion très originale. Une vente privée de lingerie sur mesure. Entre 95C et 105C, jusque-là, cette bande de copines avait bien du mal à trouver de la lingerie adaptée exactement à leur mensuration. J'avais des soutiens-gorge de femmes qui avaient 50 ans. Parce que quand on a une forte poitrine, eh ben, il n'y avait pas dans les magasins la taille standard. C'est vraiment un plus d'apporter du sur-mesure. De 14,90€ jusqu'à 150€ pour les modèles haut de gamme, il existe un choix très varié de lingerie adaptée au goût et aux moyens de chacune. Pourtant, près de 7 femmes sur 10 ne connaissent pas la taille exacte de leur soutien-gorge. Fort de ce constat, des créateurs se sont lancés sur le créneau du sur-mesure. Ils proposent des modèles qui vont de 60 jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Mais passer au sur-mesure, cela vaut-il vraiment le coup ? Bonjour mesdames. Bonjour Brigitte. Comment ça va ? Depuis 2 ans, Brigitte Bozek travaille comme conseillère pour une marque spécialisée dans le sur-mesure. Je vais vous présenter ici un modèle dentelle. Donc vous inquiétez pas, là c'est une petite taille, mais bien sûr on peut l'avoir dans toutes les tailles, hein, y a aucun souci. C'est joli. Ouais, c'est très bien. C'est quand même ça, des modèles dentelle comme ça, en grande distribution pour des grandes tailles, ça n'existe pas. Des modèles et des matières quasiment introuvables dans le commerce ou encore un service adapté aux besoins de chacune, c'est aussi ça le sur-mesure. On peut, voilà, au besoin, modifier un bonnet, une longueur de dos, on peut modifier, allonger, rétrécir des bretelles. Pour mieux comprendre les attentes de ses clientes, Brigitte met un point d'honneur à écouter attentivement leurs problèmes. Moi, j'ai eu des clientes qui me disaient, là, j'ai les baleines qui me rentrent dans la peau, j'ai des marques dans le dos, j'ai, voilà, des marques aux épaules. Donc souvent, des soutiens-gorge qui sont trop petits. Un soutien-gorge, si on est vraiment à la bonne taille, on ne doit pas le sentir. Pour avoir un soutien-gorge adapté, il faut commencer par savoir prendre ses mensurations. Brigitte va prouver à Séverine que le soutien-gorge qu'elle porte n'est pas du tout à sa taille. En fait, elle est marquée Séverine. Elle a la baleine qui n'est pas bien positionnée, donc ça la marque au niveau de la poitrine. Et ça, il n'y a rien de plus désagréable pour une femme. Là, pour le coup, ça devient un objet de torture. Heureusement pour elle, Brigitte a l'habitude. Et surtout, elle a le compas dans l'œil. Là, on est en 95C. Mais là, vous êtes au dernier cran. Et moi, je mettrais 2 cm de plus de dos. De plus ? Mmh. Mais là, je suis scotchée. Arrivée à 40 ans... M'entendre dire que les soutiens-gorge que je portais jusqu'à présent, c'était pas la bonne taille, quoi. Séverine, qui a porté du 85D pendant 25 ans, vient de réaliser qu'en réalité, elle fait du 95C. Elle devra payer 97€ pour un ensemble noir et 109 pour un ensemble crème. Au total, elle en aura pour 206€. C'est un peu plus cher qu'un ensemble équivalent dans une boutique de lingerie. Oui, effectivement, c'est un budget. Maintenant, pour du sur-mesure... Pour avoir une lingerie qui ne me marque pas, dans laquelle je suis à l'aise, j'estime que c'est un très bon rapport qualité-prix. Enfin, je ne veux pas m'en priver, quoi. Le sur-mesure, c'est donc la solution pour avoir enfin un soutien-gorge qui va lui aller. Séverine recevra sa lingerie chez elle dans 3 semaines environ. Car ses modèles personnalisés sont fabriqués à la pièce dans un atelier près de Poitiers. Elles lui seront ensuite livrées en personne par Brigitte. Pour avoir des dessous sur mesure, il existe des alternatives plus rapides et plus abordables. Bonjour. Bonjour. Nathalie ? Oui ? Ça va ? Bonjour. Il y a 3 ans, Marianne a ouvert son café couture. Parmi ses divers ateliers, elle propose d'accompagner les couturières en herbe dans la réalisation de leur propre lingerie. Tout le monde n'a pas la même forme, le même gabarit aussi. Et puis on peut faire aussi ce qu'on veut, on choisit le tissu. Un service original et économique, mais attention, il faut tout de même avoir quelques notions de couture. En fait, je fais de la couture. Et alors quand j'ai vu qu'on pouvait aussi faire des sous-vêtements, j'ai trouvé ça une super idée. Alors pour moi, c'est très nouveau et ça me paraît très technique. Alors je viens voir. Face à l'ampleur de la tâche, Nathalie a préféré faire simple. Un petit modèle en coton taille 90B. Le problème, c'est que manifestement, cette jeune femme ne connaît pas, elle non plus, sa taille exacte. Alors tu vois, là, tu fais un 87,5. Oui. Qui oui, c'est plus 90. Petit que... Ouais.
plus petit que ce que je t'ai dit. Ouais. Le patron n'est donc pas tout à fait adapté. Un simple détail qui n'empêchera pas la réalisation du modèle. Parce qu'on peut le réajuster quand on essaye que c'est trop large. Ah oui, bah c'est là, c'est l'avantage de la couture quand on essaie aussi, c'est faire des retouches. Ouais. Ah bah c'est super. Pour réaliser un soutien-gorge, il faut des baleines, des petites attaches, des agrafes, des passants, sans oublier les bretelles. Au total, ces pièces vous coûteront une trentaine d'euros. Pour le tissu, le prix varie en fonction de la matière. Ici, nos deux couturières utilisent du coton. Pour réaliser un soutien-gorge à partir de ce textile, Nathalie a acheté 50 cm de tissu à 5 euros. On va placer le patron. Je vais te montrer comment on fait, puis tu placeras le reste toute seule. Oui. Une fois les pièces du soutien-gorge doublées et découpées dans le tissu, Nathalie peut passer à la couture. On va piquer la machine ? Oui. L'étape du bonnet est plutôt délicate, mais notre élève est appliquée. Marianne l'encourage. Waouh, bah super, c'est mieux piqué que moi. Mais pour l'étape plus technique de l'assemblage, Marianne préfère prendre les commandes. Tu vas l'essayer le soutien-gorge pour être sûre que ça te convient. Et puis on ajustera aussi les bretelles. D'accord. Tiens. En tout, Nathalie a mis 2 heures pour réaliser son soutien-gorge sur mesure. À 12 euros de l'heure, ajoutez environ 35 euros pour les fournitures, le soutien-gorge de Nathalie lui reviendra à peine à une soixantaine d'euros. On sait qu'on aura un sous-vêtement qui est exactement à sa taille. Et ça, c'est le petit plus du sur-mesure. À réaliser soi-même avec l'aide d'une professionnelle, ou encore à acheter grâce à la vente à domicile, le sur-mesure n'est pas forcément la solution la plus économique, mais elle a l'avantage considérable d'être la réponse idéale aux attentes de chacune.